Eh bien salut. Alors pas de panique, vous avez pas raté le numéro 13 de Calme ou le 14, je sais plus où on en est. Juste comme je vous avais dit que j'attendais impatiemment ceci, je voulais vous montrer concrètement ce que ça donnait. C'est arrivé ce matin. Hop. Voilà. C'est ce format-là. Je vais la sortir quand même. S'il veut bien zoomer. Voilà. Donc je les ai pris chez Cubi, qui était un des prestataires de la fondation Raspberry pour le lancement de la Pico. Donc j'en ai pas pris qu'une, évidemment. Hop. Montrer ça de plus près. Je vous avais déjà fait un petit brief au moment de la sortie. On fera, je pense, lundi un petit peu de détails parce que évidemment je vais passer un peu de temps ce week-end avec. Ça tombe bien, il pleut. Donc voilà, voilà la Pico. Je dois avouer que je suis pas déçu. C'est comme les Raspberry, l'intégration est vraiment propre. Voilà, le seul point qui fait, je dirais pas débat, mais la légère critique qu'il y a, c'est que, comme vous le voyez, là on a des labels sur les différentes broches de ce côté, mais pas de celui-ci. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a mis les broches qui vont pendre là par-dessous, on a du mal à lire si on est posé sur une breadboard, c'est plus difficile. Mais je ne doute pas que des solutions vont émerger. On pourra, je pense, mettre des petits labels autour pour s'y repérer. Donc comme l'autre jour on me l'a rappelé gentiment, je pense que je ne vais pas partir sur de l'ESP32 pour... Écoute Patrice, je te promets, je n'ai pas fait exprès, je savais même pas que tu étais en plein travail à la confiserie. C'est express, c'est juste pour montrer la petite Pico qui va donc, je pense, tout de suite intégrer le petit revival de la table à LED que je vous ai montré l'autre jour. Je pense que c'est un bon candidat pour ça. Donc voilà, lundi je vous donnerai beaucoup plus de détails. J'espère que j'aurai eu le temps de passer suffisamment de temps à coder 3-4 petits trucs à vous montrer. Et puis. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. C'était bref, à bientôt.